Coucou, aujourd'hui j'ai reçu la pochette surprise de Mademoiselle Madeleine dans un carton, comme ça. Il était un petit peu cabossé comme vous voyez. C'est la deuxième vidéo que j'ai fait, là j'essaye avec ma vidéo de définition du cas du iMac Pro, excusez-moi, c'est la chaleur, pour voir si l'image est plus jolie. Ouais, c'est ces boucles d'oreilles que j'avais reçues de Mademoiselle Madeleine de la dernière fois. Allez, on passe à l'essentiel. Alors, quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça. Alors ça, au début, c'est ma facture, mon bon de livraison plutôt, avec de 25 euros, je crois, de mémoire. La pochette surprise des grandes filles. Voilà, ça c'est ma facture. Dans du papier rouge comme ça. Voilà, et dessous il y a la petite pochette qui est très particulière. Je vais vous montrer, c'est toujours dans une pochette gris argenté, la pochette surprise à l'usage des grandes filles de Mademoiselle Madeleine. Voilà, avec un petit nœud rose toujours. Le premier n'était pas été, là ça fait deux fois que c'est un petit nœud non pas été, mais le design est très joli. Alors on va l'ouvrir. Alors déjà, il y a une petite carte. Voilà, je vous la montre. Dans le jardin secret de Madeleine. C'est une jeune femme qui regarde un jardin. Alors, derrière, il y a le petit menu. Voilà. On a tous des petits mystères que l'on n'a pas envie de révéler, mais parce que c'est vous, Mademoiselle Madeleine, vous ouvre les portes de son jardin secret. Un secret, ça ne se dit pas. Mais on peut l'écrire dans un joli carnet Bisni. Et oui, mes secrets ne sont pas les vôtres. Le petit carnet. Voilà. Le petit carnet, je vous le montre, qui est très joli. Mes secrets ne sont pas les vôtres. C'est marqué là. C'est une femme très coquette. Une sorte de photo des débuts des années 1920. Et les petits papillons, des fleurs. Alors derrière, il y a marqué de Bisni, c'est la marque. Et c'est un petit carnet, vous voyez, où vous pouvez noter les courses, vos remarques. J'en ai d'autres, mais celui-là, il est très mignon. Voilà, pour le petit carnet, on continue. Et un trésor, ça se cache dans une jolie boîte, Natacha Farina. Attention, capitaine Jacques les surveille. Un souvenir, une idée, un cadeau, une lettre, un poème, cachez-y ce que vous voudrez. Alors, oh. Ah, la petite boîte, oh tiens, je la voulais en plus. Voilà, elle est très jolie, c'est un crâne avec des fleurs. Je vous montre en plus gros. Avec des coquelicots, des fleurs. C'est très vintage. Elle est magnifique. Il y a un moment que je l'ai regardée sur leur site. Et c'est Natacha, la marque Natacha Farina. Il y a un petit bruit dedans. Je t'en remercie, Mademoiselle Madeleine. Je la voulais. Ça tombe bien. Alors, on va l'ouvrir. Hop là. Voilà. Ça, c'est moi. J'ai mis mes petites boucles. Et dedans, on trouve un petit mot que je vais vous montrer. C'est marqué « Malheur à celui qui ose s'aventurer ici, trésor caché ». Voilà. Avec un petit crâne fleuri. C'est très mignon. Voilà. C'est une petite boîte secrète, hein.
pouvez y mettre vos bijoux, tout ce que vous voulez. Moi, je vais y mettre mes boucles d'oreilles parmi d'autres. Hop. Ça, c'est mon coup de cœur, c'est ce que je préfère. La petite boîte avec le crâne. Très joli. Allez, on continue. Alors, un jardin secret est un lieu merveilleux qui nous appartient. On s'y sent bien pour penser, respirer, s'évader, oublier. Ce petit lapin tout mignon est le gardien des clés de ce lieu imaginaire. Le petit lapin. Hop. Ouh, très mignon. Le petit lapin. C'est un peu style japonais kukai. Voilà, je vous le montre. Avec des petites traces en bas. Avec une petite fleur dans l'oreille. Et ça s'ouvre comme ça. Très mignon. Derrière, il y a le petit feather. Il y a la marque. On l'a voyé tout à l'heure. Voilà, feather. Fait main, on dirait. Made hand. Voilà. On le voit là. Made hand. Et le petit lapinou. Voilà. Alors après, il y a quoi ? Gardez toujours avec vous cette clé de Gas Bijoux. Elle vous permettra de vous rappeler qu'il y a un petit endroit rien qu'à vous pour oublier vos petits soucis et rêver de grand bonheur. Mademoiselle Madeleine vous réserve de nouvelles surprises le mois prochain, mais chut, c'est un secret. Bon, je regarde en même temps, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Alors, le petit bijou, ça se présente dans une petite pochette comme ça. Elle est marquée Gaz, je ne connais pas du tout la marque tout de moins. C'est Gaz Bijoux. Hop. Oh. En plus c'est bleu, j'adore le bleu. C'est un petit bracelet avec une clé, avec des strass marqués Saint-Tropez. Si vous la voyez bien, il y a des petites strass et c'est marqué Saint-Tropez dessus. Voilà. Et il y a un petit médaillon où c'est marqué Gas Bijoux avec un petit soleil. Alors, oh c'est mignon ça, je l'aime. Ça c'était celui-là que j'avais reçu la dernière fois. Sûr. Alors, les cordons ont l'air réglables. Je vous le confirme. Les cordons sont réglables. Voilà. Pour l'élargir, pour pouvoir le passer au poignet ou le rétrécir. Voilà, voilà, je vais tout remettre dans cette pochette. C'était la pochette de Mademoiselle Madeleine que je viens de recevoir pour la troisième fois. Et je pense que je reprendrai celle de l'année prochaine, je vais dire, du mois prochain. Parce que j'adore ces petits objets. La petite pochette. Voilà. Voilà, cela c'était avec ma webcam de mon iMac Pro. On va voir si ça fonctionne mieux, si l'image est plus jolie. Bisous!